Coucou tout le monde, nous c'est la suite de la vidéo que je vous ai fait. Bon, de toute façon vous verrez, hein. Si on a les mêmes vêtements, c'est que des suites. Sauf que je les mets pas tous en même temps, sinon ça fait déjà trop de vidéos. Déjà, il faut avoir le temps de les regarder. En plus, ils sont longs, alors là, il faut avoir encore plus le temps de les regarder. Voilà. Quand ils sont longs. Oui, ils sont longs. Ouais, ils sont très très... Ouais, ils sont très longs et des fois très courts. Avec moi, c'est long. Oui, mais c'est pas grave, il y a beaucoup d'abonnés qui aiment bien les vidéos longues. Heureusement. Voilà. Mais même moi, quand c'est trop court, des fois, ça m'embête. J'aime bien un peu plus long, quoi. Oui. Je peux pas... Après, mettre... chacun, hein. Il y a un court, long, large, maigre, voilà. Ouais. Voilà. Je viens. Je mets ça dans le haut, le retour de course de... Leclerc. Ouais, mais ça je mets dans le couloir si tu veux toi. Saint-Michel. Oh. Ça tu peux les garder. Mais je les garde parce que quand tu fais le tri, tu peux le mettre ouais. Le sac dedans. On peut les plier, du coup, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas les déchirer. Voilà, c'est un problème aussi. Donc voilà. Du coup, on a pris 6 litres de lait. Moi, j'en ai encore 10, donc j'en ai pas besoin. C'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup avec mes courses, hein, parce que ça me dure longtemps. 6 litres de lait. Ouais, moi, je bois beaucoup de la lait. La marque Repère. Hein. Voilà. Ouais. Ça, c'est fait. Hop là. J'ai mis... Ouais. 2 paquets de tomates cerises, 250 grammes. J'ai déjà vu qu'à Leclerc, en fait, ils sont à 95 centimes. C'est eux, quand même, les moins chers au niveau des tomates cerises, parce que c'est des choses qu'on achète régulièrement. Donc, à force, on connaissait le prix de ce qu'on achète. Hein. Et au Lidl, c'est 99 centimes. Et là, c'est 95 centimes. Donc, j'en ai pris 2. On a de la chance, elles sont belles. 2, merci. 3 mozzarella. Je pose la marque Eco. On fait d'après ce qu'on peut trouver, qu'on peut essayer de trouver des trucs pas trop chers. Hein. On est comme partout et tout le monde parle. Il y en a 3. Ouais. Mozzarella. Ah, je vais vous montrer un truc après, mort de rire. Là, franchement. Ouais. Alors, on a pris. Bon, sur les moins chers, hein. Chaque centime compte. Hein. Et là, ça compte pas, moi, ça compte. Enfin, j'essaie de faire au mieux. 2 brocolis. Ah, c'est très bien. 99 centimes, ceux-là. Voilà. À l'eau ou en salade ou alors au four. Merci. On y va. Après, on a pris 3 concombres. 0,95 centimes. Du coup, il y a même le prix. Hein. Voilà, j'en ai pris 3. Là, je les laisse où. Surtout que ces derniers temps, ils étaient à plus d'un euro, voire 1,29 €, presque même plus qu'1,29 €. 95 centimes, donc là. Hein. Et puis ils sont assez bien. Oui. Ils sont quand même. C'est pas des tout petits, quoi. Hein, les concombres, c'est pas des tout petits. Non. J'en ai pris 3, j'en ai pris un pour moi. Oui, c'est bon. J'en ai pris un pour moi, au cas où. Oui. Si jamais vous voulez savoir le coup. Tu voulais aussi tes tomates? Non. Mais peut-être un brocoli, si ça, oh. Ça te dit. Comme je suis là. Le petit, hein. Ah, je te retourne le petit, oui, je suis tout seul. Je te retourne le tout court. Comme je ne monte pas souvent mes courses parce que j'en fais rarement. Donc et voilà, ça c'est pour moi. Hein. Et pour moi. Là. Non, je ne veux pas. Oh. Je le mets là en attendant. Oui, là. Pas de problème. Voilà. J'ai pris une salade romaine. C'est un peu aussi un peu excessif les prix, mais bon, ça passait encore. Je ne sais plus à combien, mais ça passait. Une salade romaine, elles sont bien, moi j'aime bien. Après, je lui ai pris une barquette de fraises parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait des fraises. C'est une salade? Ouais, c'est une salade. Non, je croyais c'était le truc de chinois. Non, c'est une salade. Ah, c'est le truc de chou chinois, il faudrait que j'en rachète à l'occasion. Non, mais bon. Marquette de fraises, 250 grammes si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Ce n'est pas obligé. Je ne sais pas. Je crois que c'est 250 ou 500, oui. C'est des fraises. Moi, je crois que c'est 500. Je lui ai pris. Merci.
Je le lave et nettoie. Deux canards WC, des tartes en profondeur, soi-disant. Parfum, ça, à mon avis, ça marche. Efficace, même sur l'eau, fraîcheur marine. 50% de plastique recyclé. La marque repère, s'il faut. J'en ai pris deux de celui-là. C'est bien. Comme ça, là, on a quand même en réserve. Et je vais mettre un autre à celui-là. Il a la javel. Et normalement, c'est eucalyptus. Non, même pas. Nettoie des graisses. Ça, c'est bien. Celui-là, il y a de la javel, donc de temps en temps. Je n'ai jamais fait, mais je te le dirai. Ils sont bien ceux-là, j'avais déjà, mais il y a longtemps. Ouais, bah, je te le dirai, parce qu'au WC, il faut bien au WC. Je lui ai pris des mini fromages ortolan. Fromage. C'est déjà prédécoupé. Parce qu'après le repas, on a le droit à un petit truc comme ça, quoi. Mais pas un yaourt, voilà. Si vous avez produit laitier, vous n'avez pas le droit d'un yaourt. Enfin, bref, quoi. Donc voilà, j'ai pris ça. Ils sont déjà prédécoupés, il y en a 8. Donc si jamais on me demande, parce qu'on m'a déjà demandé aux ses abonnés, parce qu'il y a des nouveaux abonnés en viande, poisson, tout ce qui est comme ça, c'est 120 grammes. Tout ce qui est nouilles, riz, enfin les féculents, c'est 100 grammes. Et légumes, c'est à volonté. Et en entrée, c'est une petite salade ou une soupe fait maison. Enfin, si j'ai envie d'en faire une maison déjà. Et le pain, c'est 20 grammes le midi et soir. 20 grammes le midi, 20 grammes le soir. C'est ce qu'on m'a appris. Hein. Et 60 pour le déjeuner. Sachant que des fois, je ne le prends pas au déjeuner, je le prends pour le midi ou le soir. Voilà. Vous pouvez prendre ce que vous n'avez pas utilisé, mais pas un surplus. Et si vous prenez un yaourt produit laitier en dessert, vous avez le droit à un yaourt nature avec un fruit. Si vous prenez un yaourt avec des fruits, vous n'avez pas le droit à un fromage ni à un fruit, parce qu'il y a déjà du fruit dans le yaourt. Et sinon, c'est un morceau de fromage, produit laitier, avec un fruit. Mmh. Voilà. Parce que là, voilà. Ouais. C'est ce qu'on m'a appris. Hein. Je te montre tout de suite la vache qui rit en même temps. Après, j'ai pris l'équivalent à la vache qui rit, c'est du fromage en triangle. Le vache qui rit, il y en a moins dedans, et puis il est tout aussi cher que celui-là, il est moins cher. Et il y en a plus dedans, il y en a 24. Donc, il y a de quoi faire. Ah, non, je la marque repère. Riche en calcium. Voilà. Des fois, tu le manges comme ça et des fois, tu peux le mettre... Moi, j'aime bien avec un bon bout de pain. Oui, ou alors dans les nouilles. Tu peux aussi. Non, je ne le fais pas. Bah, j'ai regardé. Donc, sur taper. Bon. J'ai aussi mangé un donner et tout, vous croyez quoi? Il y a une semaine, là, c'était chaud. Hein. Maintenant, on repart. Hein. C'était juste une semaine parmi tant d'autres. Hein. Olive verte dénoyautée. Et là, il y a poêlée égouttée 160 grammes. Sinon, il y a 340 grammes. Ils sont déjà dénoyautés. Alors, ça, c'est très bon. Ça. Voilà. J'ai pris les petites bananes éco-plus parce que bon, ça suffit. Parce que là, pour des pommes, là, je vais prendre des oranges. On n'a pas le temps de les manger. Il y en a juste 4. Et ils sont à 79 centimes, franchement, pour les 4 bananes, ça ferait super bien. Par contre, il y a ceux-là, ils sont plus longues que ceux-là. Si un jour vous avez envie d'une longue, vous prenez la longue. Si vous avez envie d'une courte, vous prenez la courte. J'ai compris, c'est que tu me le dis. Après, je lui ai pris, sauf froid. Deux escalopes cordon bleu de poulet. Quand un jour de flemme. Ma mère, elle n'a pas 20 ans. Hein. Moi non plus. Alors, on a des jours de flemme. Hein. Tout le monde vit pareil. Non, moi, je ne mange pas. Il y en a deux sachets. Il y en a deux dedans. Mmh. Voilà. Deux cordons bleus au poulet. Ouais. Et là, deux cordons bleus poulet fromage. Un truc en plus. Oh. Voilà. Il y en a deux. Pareil, marque repère. Mais c'est pas ça. Ah non. Jambon fromage. Cordon bleu poulet. Hein? Et ça, c'est avec du fromage. Et là, il n'y a pas de fromage. Ça c'est jambon juste, et là il y a du escalope au cordon bleu au poulet. J'ai pris deux petites côtelettes, ils étaient pas chers, je crois 1 € et quelques, là des brouettes. Mm-hmm. Donc deux côtes de porc. Ouais, ça va. Ah, tes souhaits. Pardon, ça allait sortir. Voilà, je lui ai pris ça pour elle, quand on est seule. Voilà, ça c'est bon. Je lui ai pris des cuisses de poulet, ils étaient pas trop chers. Hein. Les cuisses de poulet, bon, moi je sais plus les prix, j'ai pas toujours envie de les mettre, hein, je suis fatiguée. Et il y en a 1, 2, 3, 4, et il y en a 5 quand même. Bon, c'est pas des grandes, mais ça fait. Mais c'était tout petit. Super taille quoi. 3 carats. Super nickel, pas trop gros. Donc c'est génial.
Il y a quand même 1 kg. Je sais plus c'était à combien, mais pas très cher. Mais tu sais que moi je prends aussi. J'ai les trucs, mais c'est sur mon téléphone. Si tu peux aussi prendre une pour faire toucher la reine. Moi oui. Moi je prends quand aussi. Quand on est seul, on prend ce qu'on a pour les toucher à la salade. Non, ça tu l'as fait. Ouais. Après, je lui ai pris, elle voulait des raviolis, donc je lui ai pris cela. Les panzani pur bœuf. De temps en temps, ça change. Sans colorant ni conservateur, raviolis pur bœuf. C'est des grandes boîtes. Hein. Pâte fraîche fabriquée dans nos ateliers. Bon, bref, ouais, c'est des boîtes. Et il y en a deux et c'est 800 grammes. Quand elle avait envie, j'ai pris de celle-là. Oui, tu es face à un bœuf. Pour mettre au four, au gratin. Ça change un peu. Elle voulait des petits beurres. Hein. Oui. Aux pépites de chocolat, petits beurres. La marque au repère, vous le voyez sur le dessin là-haut. Ici. Voilà. Tout le monde fait les courses, donc à mon avis, tout le monde sait. Il y a 12 sachets et il y en a 3 petits beurres dans un sachet. 12 fois 3, quoi. Et ça, c'est pépites de chocolat pur beurre. Ceci, les mêmes. 12 sachets x 3 petits beurres dans un sachet. Nature. Cela, c'est nature. Pur beurre, mais nature. Les fromages Saint-Mauré. C'est pratique parce qu'on peut les séparer. Il y en a 3, 6, il y en a 9. 9. Il y a 180 grammes. On touche, je pense. Hein, parce que là... Ouais, il y en a 9. Saint-Mauré, il est super bon celui-là. Oui. Après, j'ai pris des allumettes de bacon fumé au bacon. Bacon, parce que Corinne va me le dire. Corinne, mon amie, ACH Schroeder. Elle dit, ouais, mais il ne faut pas dire bacon, je veux dire bacon, bacon. Enfin, bon, allumettes de fumé. Voilà, comme ça, je ne me trompe pas. J'en ai pris deux lots parce qu'on veut faire une recette qu'on a trouvé une autre style, une autre façon de faire. Nous, on a notre façon. Alors, on voulait tester une autre façon que j'ai vue pour faire le bake-off. Non, pas le bake-off, le... Non, le kolopf. Le kolopf. Salé. Kolopf. Kolopf. Ouais, oui, kolopf. Un kolopf salé. Et il demande des lardons. Mais moi, je préfère plutôt ça. C'est moins gras que le lardon qui est... Etc. Donc, on essaye quand même... Et c'est moins salé. De limiter. Ouais, c'est moins salé. Oui, déjà, ouais, c'est moins salé. Et en plus, c'est moins gras. Donc, si on peut limiter un peu, d'enlever ce qu'on peut, en changeant avec un autre truc moins gras, donc je le fais. Donc là, c'est une abonnée qui me l'avait dit, depuis je fais que ça. Enfin, quand j'en achète, une fois tous les perpètes, mais depuis qu'elle me l'a dit, je préfère plutôt ça que les larves. Elle avait raison. Cela, que je le mets dans le congélateur. C'est des bons conseils. Et franchement, elle a raison. Elle a pas tort, elle a raison. Je lui ai pris une paire de knack. Ouais. On est en Alsace, hein, avec knack, hein. Des knacks avec des hein. Ouais, avec des patates à l'eau. Ouais. 3,75 les 4. Elle va pas s'ennuyer, moi je vous le dis. Non, seulement une paire, mais ça retient les couches. On est d'accord. Je vais prendre deux beurres doux. Parce qu'on va faire une pâte fait maison là pour notre recette, quoi. Vous verrez, avant ses courses. Hein. Oui. Et pour le. Le Gouglof, on a mis, j'en ai pris deux de 250 grammes, c'est le moins cher des autres. Donc, mais il est bien. Oui, hein, je laisse dehors, là où je congèle. La boulet du chou-fleur, je vais prendre un chou-fleur. Voilà, ça je vais peut-être le récupérer pour le lapin de Léa, mais à voir si je la vois, bien évidemment. Donc un chou-fleur, je te le mets là. Oui. Non mais là, vous allez être mort de rire, elle voulait du chou rouge. Elle en a dans le congélateur, hein. Attention. On ne cherche pas à comprendre. Mais là, vu la taille, finalement, pas de regret d'avoir repris du chou rouge, sachant qu'elle en a déjà. Oui, regardez. Mais plus petit que ma tête. Un chou rouge, c'est censé être grand. Oui. C'est ta miniature. Il n'a pas fini sa croissance. Mais là, on peut faire une salade. Je vous montre. Tu peux faire une salade. C'est censé être aussi gros qu'un chou-fleur. Hein. Ouais. Tout petit. Ouais, ça couvre juste pas mon devanture. Mais tu peux l'emmener si tu le veux. Tu peux faire une salade. Ouais, bon. Il fait ma main, quoi. Vous avez vu, il dépasse pas. Hein. Il fait juste le creux de ma main. Moi, ouais, j'ai exagéré, hein. Quand on a vu le chou, on a sorti du sac, on était déjà mort de rire. On a rigolé. Je lui ai pris des steaks hachés, jambon fromage à poêler. Je les avais déjà achetés il y a bien 6 mois, plus de 6 mois en arrière. Donc voilà.
Il y en a deux. Faire dorer 3 minutes. Aller-retour, tac-tac. Décongeler, bien évidemment. Et ça donne ça. Et du fromage hein, entre. Il y en a deux. Du jambon. Tu as l'étouffer. 6 tranches supérieures. Sans la couenne. Il n'y a pas de couenne. Voilà, il y en a 6 dedans. Tradulaire, je pense. Non, je commence. Deux paquets de farine. Farine fluide sans grumeaux. On a pris 2 paquets, mais cette fois-ci, on ne va pas les mettre dans le bac. Parce qu'il faut qu'on utilise l'ancienne qui est tout au fond. Rajouter. Une abonnée me l'a dit. Je fais, oh, elle a fait une connerie. Donc, du coup, on ne va pas les mettre. Hein. Non, non, il faut voilà, pas. 1 kilo. On en a 2. Des fois, on ne fait pas attention. À la non. Même moi, ces derniers temps, il y avait une période où. La tête en l'air, c'est... Enfin, tu vois, l'autre fois, tu les as mis, tu le paquet. De toute façon, on va l'utiliser là. Il ne reste même pas en dessous de la moitié du pot. Ça va être oui. Utilisé. Donc, oui. C'est le fond. Une salade. Mais après, elle avait raison. L'abonné, oui, elle avait super très très raison. Cœur de laitue, 100% cœur. Voilà, 200 grammes. Des cornichons. Des nichons, cornichons, aigre doux. Ouais. Sans conservateur ni sulfate. Cornichons, recette paysanne, aigre doux. Le doux, c'est mieux parce que sinon, on a pris ça, là, on avait envie d'une petite boîte. Poids net égoutté, 360 grammes. Voilà, cornichons. C'est pas les tout fins, on va dire, c'est les moyens parce qu'il y a encore du tout gros. C'est pas ça, c'est quand tu manges. Tu prends du fromage et tu aimes bien. Ouais, un petit truc, ouais. Ouais, un lot de 3 petites boîtes de maïs, marque éco. Il y a 3 petites. Et dans une petite boîte, attendez, 3 fois. Je vais même pas faire attention que le zéro va. 3 fois, avec le poids net égoutté, c'est 140 grammes par petite boîte. Voilà, il y en a 3. Voilà. Après, elle a voulu deux boîtes de thon. J'ai pris celle-là parce que là-bas, il n'y a pas celle du Lidl. Hein. Alors, j'ai pris 2 petites boîtes de thon, marque Eco. Et goûté 130 grammes. Voilà. Thon naturel. Je viens. Voilà. Après, je te le mets sur la table. Hein. Des biscottes avec plus de fibres. Elles sont bonnes, celles-là. Céréales complet, plus de fibres, de son de blé fabriqué en France. Deux fois, il y en a 2 par paquet, il y en a 16 paquets en fait dedans, il y en a 2 dans un paquet. Ils sont bonnes ceux-là. On en a 2. 280 grammes, il y en a 2. Voilà. Malheureusement, ça, elle en a besoin, donc c'est la plus chère. Il y a d'autres marques, mais. Le problème, c'est que ça ne fait pas cuisson, ça ne fait que assaisonnement, donc c'est compliqué. Donc, je lui ai pris cette marque-là. Hein. C'est une des que je prenais moi à l'époque aussi. Hein. C'est que je prenais que celle-là, de toute façon. Sauf qu'elle est. C'est bizarre. Mais elle fait cuisson et assaisonnement. Donc, voilà. Parce qu'il y a de l'huile d'olive, c'est pas fait pour cuire. Hein. C'est seulement pour faire pour les salades. Donc, ça l'a fait les deux. Alors, j'avoue que franchement, quand elle fait les deux. Ça vaut quand même le coup que de prendre une qui est pour cuisson, une qui est pure salade, elle fait les deux. L'huile d'olive, elle est super bien. 1 litre. La marque UG, en plus, ça coûte un bras, mais bon. J'ai un œuf dans la gorge. 12 œufs élevés en plein air. Il y en a 12. Sur nickel cloum. De tailles différentes comme à la ferme. J'aimerais bien retourner à la ferme, il faut que j'ai les moyens aussi. Tiens, après 2 kilos de orange. Yo, j'ai encore 2. Mais vous inquiétez pas, hein. il y a des fruits. Hein. Bah déjà, je vais piquer une pomme. Ne me demandez pas laquelle pomme. La verte, celle-là. C'est mes préférées. Ouais. Voilà, il y a de quoi ça va, ça va diminuer. Ouais, on va faire une tarte après. Ouais. Et j'ai pris ça, haché végétal. Ça m'avait tapé à l'œil. Pour les végans, mais ça change. Au moins, c'est pas trop grave.
pas, je pense que c'est pas des choses trop gras. Mais ça m'avait bien. J'aime bien. Base de soja et de blé aromatisé. Qu'est-ce qui n'est pas aromatisé? Pré-frites. Pour un chauffage optimal, c'est un recommandé chauffage à la poêle. 5 minutes à feu doux en y ajoutant soit un coulis de tomates, un filet d'huile d'olive ou un peu de crème. Tu peux m'oublier. Fraîche liquide et obtenir une farce bien moelleuse. Vous pouvez faire du haché parmentier, lasagne, moussaka, légumes farcis avec des pâtes, du riz, des céréales. Voilà. C'est super bien. Génial. Prêt à cuisiner. Voilà. Bon, c'est pas donné, hein, malheureusement. Bon, ça passe encore, on va dire. Mais il y a combien de grammes là, du coup? Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Il est où le gramme, Véro? 200 grammes. 200 grammes. Après, du papier, cucu en voiture, voilà. Hein. 12 rouleaux. 2 feuilles, j'en sais rien, de toute façon, lors d'aujourd'hui, on s'occupe plus des feuilles ici et des ça, on s'occupe des prix. Donc voilà, 12 rouleaux. S'en fout du reste. Aujourd'hui, on regarde des prix, on n'est pas les seuls, on est tous dans la même enseigne. Voilà, j'ai pris des noix de créneau. J'ai pris 2 petits paquets de 50 grammes dedans, c'est des petits, c'est pour notre Google-off. Voilà. Ce qu'il faut qu'on en mette au fond du moule. Et il y en a qu'il faut qu'on cisaille comme ça. Alors du coup, je ne savais pas, 50 grammes, ça fait un peu peu. Donc, 2 petits paquets. Voilà. Ça, c'est fait. Il me reste plus que le café. Hein. Ouais. Et le lait. J'ai déjà fait le lait. Ah, tu l'as déjà fait? Ouais. Écoute, tu as envie que je mets ça. Après. Là. Je range tout. Ouais, prends ton temps tranquillement. Hein, oh. Ouais. Ma mère a voulu du chocolat, ça lui a bien plu. La dernière fois que je l'avais pris pour la Tassimo, bon, elle en a encore, hein. Et comme elle faisait les courses en même temps, on a pris tout de suite comme ça, pas mal de faire juste pour du café, se déplacer quoi. Donc 2 cacao, parce qu'elle aime bien. Il y en a 8 dedans, ça lui fait 16. Ça a envie d'un petit chocolat. Hein. On reste toujours un enfant. Après, bah oui. Après, j'ai pris le long, café long classique, parce que la dernière fois, je me suis trompée, j'ai pris les cours et elle a dit ouais, mais j'ai quoi ça dans mon café? Donc, j'ai pris le long. Il y en a 16 et 16. Le café classique. Donc, il y en a à la nasse. 2. Et là, j'ai vu qu'il y avait du thé. Et ça lui a dit, je lui ai dit, ça t'intéresse du thé de temps en temps? Il m'a dit oui. Donc, il n'y avait que ce parfum-là. Donc, je l'ai pris. Que je l'ai fait dans l'application du téléphone. En livraison. Il y en a 16 dedans. C'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas mal. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fini. J'ai fini ses coursettes. La preuve, elle en a encore là. Elle en a encore, mais bon. Chocolat, j'en ai plus. T'en avais plus de chocolat? Non, j'ai tout. Mais là, t'as le thé qui va aussi. T'as du thé. Oui, ça c'est pas mal ça le soir. Oui. Trop bien. Ouais. C'est pas mal. Moi, j'aimerais bien une machine à grains, mais ça coûte cher. Oh, poum, punaise. Ouais. Oh non, je garde la même. Il y a 300, il y en a 500, non, j'abandonne. Ça, c'est impossible. C'est vrai, c'est pas donné. Ouais, donc ouais. C'est bon, je garde la mienne. Pour les 2-3 cafés, je n'ai pas envie de dépenser un bras. J'en ai pour des siècles. Il faut que tu trouves un mari qui est riche, qui te l'offre. Non, non, moi, je veux rien du tout. Je garde mon truc à moi. Non, moi, je dis ça comme ça, on rigole. Hein. Ma vie, mais avec sa liberté. Moi, je suis bien. Oh, voilà. Oh, ben voilà. C'est tout, hein. Oui. Bon ben voilà. Bon ben voilà. Voilà. Ah. Pas encore? Non. Tu veux un paquet? Si tu veux. Hop. Ils vont rigoler les abonnés parce que j'ai dit tu veux un paquet? J'ai fait si tu veux. Maman, et alors? Mais j'ai même encore des trucs au congèle ici. Yo. Tu veux tes oranges? Ouais, je dis pas dans les oranges. Oui, ça tu peux en emmener. le hachis, c'est pour qui? Ben, je sais pas, tu veux qu'on fasse ensemble un petit truc ou. C'est pas du hachis comme ça, tu crois, hein, ces trucs vegan. Ah! Ouais, c'est pas le hachis que ça, tu crois, hein, comme d'habitude, hein, attention. Bon, on fera quelque chose. Ben oui!
On fait une petite recette la prochaine. On se fait des petites lasagnes vite fait, tac, et puis c'est bon. On va aller là, ça manger les paquets là-haut. Bah ouais, c'est un petit truc comme ça, un petit machin. Oui, si tu veux. Oui. Tu veux faire ça quand, sinon je le fais. Oh, la semaine prochaine, pas cette semaine. Hein. Alors, j'ai mal au dos. Je vais en crits. J'ai mal au dos, c'est horrible. C'est pas la période. Et je crits, mais. Oh, mon scar. Hier, j'étais à la piscine. Hein. Et alors, est-ce que. Par contre, je vais te piquer un cachet, je dis pas non. Et les lardons, je les mets. Oh, descends. Ouais. Sont vous les ibuprofènes qui avaient des plus forts? T'avais des plus forts que j'avais. C'est toi qui les as emmenés, c'est toi qui les as emmenés. J'en ai plus. Oh, j'en ai plus. Attends, je vais quand même voir. Je reviens, je vous laisse écouter, surveiller, attendez. Ça, je mets tout le surveillez-la, hein, vous me dites si elle fait des conneries ou s'il y a quelque chose qui se passe. Je te dis. Oui, les deux paquets, je mets dans le congélateur. On va faire le... Ouais, tu peux, on le sortira. Tu me diras le soir, je sors. Oui, ouais. Hop là, au fruit. Hop, Und da geht Wasser gewählt, die Katze geht Wasser gewählt. Nein, da kriegt man, weiß ich was. Die Doliprane? Nein, ich bin Profen. Oh, attends. Non, c'était 200. Ah, ben non, je vais faire cela. Regarde les 400. Ouais. Alors tu prends 400. Hop. Attends, si je réserve en bolt. Mais je vais chez le médecin demain. Attends, si j'en réserve en bolt. C'est pas ça, ça me soulage quand même. Oh, on est tordu. Eh. Bah, ça me soulage un petit peu quand même. Ça guérit pas. C'est déjà que ta mère, elle est tordue. Mais c'est parce que j'ai de l'arthrose cervicale, hein. J'ai mal tout ça. Ah, toi aussi, t'as ça. Et alors, je vous dis pas, quand vous êtes là, oh, ça tire. Moi aussi, je tourne juste comme ça, c'est tout. Je peux pas tourner plus. Malheureusement, ça tire là, le dos, ça descend là, tout le bas, et les jambes sur les côtés. Oh là là. Non, je suis la forme. Bah oui, mais t'as pas d'arthrose cervicale. Non, je suis un nuque. Ben voilà. Si, la derrière. Ça, c'est à cause de l'accident, c'est pas la même chose. Oui, l'accident, je l'ai tout le temps. Oui, mais c'est pas de l'arthrose, là, tout le temps. Non. Ben voilà. Mais des fois, j'ai aussi des douleurs, hein, mais moi, j'en ai aussi des médicaments. Mais c'est pas la même chose qu'on a. Non, c'est pas pareil que toi et moi. Oui, je sais, j'ai compris, un souffle, vous avez vu? Moi, je vais chercher mon petit café qui me reste pour le descendre. Ça va peut-être me soulager un petit peu. Ça, je mets dans le congélateur, ça aussi, et je laisse pour faire des couchers Ah, ça va, j'avais des vidéos programmées, c'est pour ça? Ouais. Regardez les dates en haut, vous verrez, c'est que des vidéos programmées. Parce que quand moi je fais des vidéos avec ma mère, je fais quand je passe. Je vis pas chez ma mère, donc je peux pas faire des vidéos tout le temps avec ma mère si je vis pas chez elle. Donc et là, pendant une semaine, elle était tranquille. Il n'y avait pas de vidéo. Et ça lui fait du bien aussi. Ouais, mais moi j'ai tricoté pendant ce temps. Bah oui, elle a aussi envie d'avoir un peu de temps pour elle. On va faire le couscous. Hein? Ah, réchauffer. Oui, j'ai reçu. On t'a dit, on va faire. Ah, partout. C'est pas la même chose. Partout. Elle a reçu de sa voisine. Sa voisine lui a donné un peu de couscous qu'elle a fait. Ouais, on va chauffer ça, il va manger ça. Très gentil avec moi. Donc c'est tout, on a tout fait. Hein. Oui, oui. Ouais. Ben, je monte le tricot, mais je suis en train de me faire enchiler. J'ai un peu arrêté le truc de ovni parce que ça pèse des tonnes. Mais l'abonné, hein, la dame qui m'a dit, tu dois prendre des fils avec les aiguilles la prochaine fois quand tu as fini. Avec la ficelle qu'elle a reçue en cadeau. Oui. Parce qu'elle dit, ça te fait moins mal. Ah oui, c'est moins mal. Parce que ça retire tout le truc. Et après, ça va descendre sur la ficelle, ça va être comme ça. Parce que moi, j'avais peur que ça reste. Non. Et surtout, tu peux faire plein de mal parce que ta ficelle, elle sert à faire un grand. Oui. Parce que les aiguilles, quand c'est rempli, tu peux plus. La ficelle, tu n'as pas vu, elle a un genre de cordage. Oui. Tu peux faire plus de mailles sur ces trucs-là. Oui, mais c'est pas ça. Et quand vous faites les mailles dessus, sur ces aiguilles, ben, au bout, c'est normal, comme les aiguilles normales. Mmh. Mais quand tu les mets à la ficelle, ça...
Mais c'est pas la même chose. Mais non, c'est pareil. Ou c'est moi qui rêve? Non, c'est pareil. Bon, voilà. La prochaine fois, tu le fais parce que là, maintenant... Je montre un chili, le chili. Je me fais un long chili. J'espère qu'il est bien. Dans le panier, Véro. Dans le courbe. Oui, mon chéri. Je suis avec. Tiens, bah, je te laisse le dire toi, parce que c'est pas moi qui tricote. Oh, oui, alors moi. Ça, t'aurais pu le laisser là-bas. Moi, je commence avec ça. Mais je fais même pas 3 mailles, j'en ai déjà marre. Et je vous dis pas, les 3 prochaines mailles, ils sont pas avant 10 ans prochains. J'ai déjà pas mal fait. Non, je peux pas, moi. Moi, j'ai déjà fait. Voilà. J'ai déjà fait un côté et le dos. Ouf, c'est des épines. Il y a encore dedans. Voilà. Attendez, je descends un peu comme ça, pas trop levé. Pas ouais. Trop levé, maman. Ah. J'ai descendu le téléphone. Voilà, c'est un chilet, mais sans manche. J'ai fait le bord. Comme ça, sans manche. Voilà, là j'ai fait le bord du 3-3. Le... Hein? Oui. Chilet sans manche. Et là, c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez quand vous aurez vu cette vidéo. Je pense qu'elle n'aura pas encore commencé les manches, au cas où. Je dirais plutôt avec des manches. Hein. J'arrive pas bien à faire les manches, c'est pour ça. Et j'ai fait là, tricoter tout à l'autre. Pourquoi que, ce serait pas mal aussi avec un petit soupule en dessous. Mais un petit soupule blanc, parce que ça ferait bien que le blanc. Mais je fais des popoches à côté. Ah ouais, pourquoi ouais, pas, ouais. Je fais des popoches. Va savoir, pourquoi pas, elle a quand même raison. Hein. Ouais. Là, c'est déjà un côté qui est fini et le dos aussi, il est fini. Le dos. Mais elle est jolie, j'aime bien. Écoute, personne ne le voulait, j'étais fait. Non, mais tu avais dit que tu avais des pulls dans l'armoire, je sais pas quoi, que personne ne veut. Attends, là, il est. Et personne ne le voulait, et personne le veut, ce que j'ai fait. J'ai jamais vu ce pull, moi, t'es marrant. Voilà. Oui, mais... Faut-il encore arriver à rentrer dedans? C'est ça le problème. Mais c'est un pull pour... C'est pas pour nous, c'est un pull pour enfants. C'était, et j'ai aussi fait sans manche, regarde. C'est quand tu je connais quelqu'un qui est très très fine. Peut-être ça lui plairait. C'est un, moi je m'en fous moi. Mais, Radoul. Ah, mais est-ce qu'elle aimait ça, je pourrais non, pas te dire, non. Je ne saurais pas te je dire. Je lui ai montré, j'ai déjà demandé. Ah, mince. Alors ce parce que qu'elle je est fais, tellement fine ma cousine, donc peut-être. Je redéfais tout et je prends la les, là, ça que j'ai tricoté, je prends pour la laine pour terminer mon chilet. Ah, parce qu'il te manque de la pelote. Ben, peut-être je pourrais faire les manches. D'abord, fais ce que tu as à faire avant de défaire ça. Si jamais tu n'as pas cette pelote, oui, mais tant que tu ne l'as pas, ne le défais pas. Non, j'ai ça, encore une perdue. Pelote. Voilà, d'abord, termine d'abord ça avant que tu fais une connerie, que tu le défais. Oui. Parce que il est joli, c'est dommage, c'est du travail que tu as fait et tout. Non, non. Mais elle est jolie. Alors tu le mets de côté, je m'en fiche. Mais hors de question de défaire si tu n'as pas besoin de le défaire. Ah ben alors je ne le défais pas. C'est dommage, tu creves le derrière pour coup de ça. Vous ne vous rendez même pas compte que moi, ça me vaudrait. Oh, lui. Mais c'est, ça se tire. Hein. Oui, mais même, faut pas ne le défais pas. Je fais même des petites nattes. Si vraiment tu n'as pas assez de pelote, oui. Mais d'abord, fais d'abord ton gilet et tu vois si tu n'as pas assez de pelote, tu le défais. Mais si tu vois que tu en as quand même assez, ne le défais pas. J'ai encore une. Voilà, une grosse pelote. Peut-être j'aurais fini. Peut-être ça suffirait pour le. Parce que j'étais. Ça, c'est le reste pelote là. J'en ai encore un peu là-bas, des déchus. Et ça, c'est le. Déchu, c'est quoi ça? Oui, le reste. Des restes étaient. Moi, c'était des déchus, des restes. Des restes pelote. Ça, c'est les restes. Voilà, je fais que des restes. Et ça, c'est l'autre côté. À toi, tout ce que vous avez voilà, alors plutôt. Attends, avant de dire que tu le défais, d'abord finis ce que tu as à faire avant. Ouais. Pas qu'après, tu n'as pas besoin et puis tu l'as défait pour rien. Ça, c'est de l'autre côté. C'est vrai, c'est joli avec tes manches. C'est vrai, d'un côté, c'est pas mauvais. Pas demander c'est qui, hein. Ouais. Avec tes manches, c'est plus joli. Réo, descends. Hop, hop. Salim, la gazinière. Tu veux nous faire le repas? Ben, qu'est-ce qu'on mange? Mais là, il y a des épines. Là, tu manges que de la viande, toi. Tu manges pas les légumes. On va manger que ça. Hop, descends. Oreo. Hop là.
En plus, ils montent tout son arrière-train, là. Son trou de machin. Ouais. Et ça, tu t'en fiches, je suis à la troisième, presque à la quatrième pelote. Ouais. Bon, ben voilà. Que la vidéo, elle dure quand même un bon moment. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Marchez-vous, là. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que c'est des vidéos programmées parce que comme je ne suis pas toujours chez ma mère, donc j'en programme, j'en fais à l'avance, je les programme parce que des fois, un laps de temps d'une semaine où elle a pas mal de faire des vidéos, elle est tranquille, ce qui est normal. Hein. Et pour les recettes, regardez bien, des fois, je mets toujours les ingrédients en dessous des vidéos, c'est noté à chaque fois, parce qu'on m'a demandé à chaque fois les recettes. À un moment que je fais la vidéo, c'est marqué en dessous. Enfin, vous le voyez sur la vidéo même. Voilà, c'était pour vous dire, et sachez, voilà. Je vous lis tout ça, même si c'est Corinne qui vous répond, je vous lis, je valide, je vous lis tous. Parce que des fois, j'ai beaucoup, et puis voilà, ça prend aussi du temps, voilà, j'ai pas que ça. On a tous un peu des problèmes. Ouais, puis des fois, on a des périodes, on est fatigué, on n'a pas envie, voilà, mais c'est le temps aussi qui joue beaucoup. En tout cas, on est là et je vous lis tous, il n'y a pas de problème. Et je remercie encore Corinne SCH, c'est mon amie qui m'aide beaucoup dans les commentaires. Je préfère vous dire qu'elle fait partie avec moi, elle m'aide. Comme ça, vous le savez aussi, parce que après vous voyez une Corinne et vous posez des questions, voilà, au cas où. De toute façon, je vais bientôt chez elle aussi, parce qu'on va manger de nouveau ensemble. Ah bah c'est bien, je suis contente pour toi. Je crois le mois prochain, parce qu'on avait reporté. Ben voilà, ça fait vous faites du bien ensemble. Ben oui. Ça change un peu. Ouais. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, une bonne journée. Et puis, je ne sais plus quoi dire maintenant. Je ne sais pas, moi. Une semaine de repos. Voilà. Tu bégayes, mais moi, je fais que ça. J'ai du mal même à articuler, c'est pas... Et on n'a même pas demandé si leur santé, si ils sont... Si, moi j'ai déjà tout fait, moi. Ah bon, alors ça va. Si elle a le petit, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, bonne journée. Plein de bisous, prenez soin de vous. Bisous à tout le monde, aux petits enfants, on se kiffe et merci à vous tous d'être là et de nous suivre et de nous supporter. Et voilà. Croche-pot. Bisous. Youhou, bisous tout le monde, on se kiffe.